Ok, bah bravo. Salut tout le monde, aujourd'hui, nouveau concept de vidéo, on va aller enseigner à des élèves de primaire à la primaire Marco Polo. On va accueillir Justine. Présente-toi vite fait. Je suis enseignante de CM1, CM2. J'ai vu tes vidéos sur Insta, notamment ta prestation à Incroyable Talent. Ah si, mon père, il est violoniste, violoncelliste. Je me suis dit, pourquoi pas lui écrire un mail et lui demander de venir jouer à l'école. Il est là. Merci beaucoup à toi Justine, et c'est parti. Donc je me présente, je m'appelle Alexandre, j'ai 18 ans, j'ai fait donc quelques émissions, j'ai fait Incroyable Talent, je sais pas si vous connaissez. Oui. Moi j'ai fait le QG et une émission avec Camille Combal, donc où je faisais du piano, du beatbox. En dehors de tout ça, moi je suis en une école de musicologie. Est-ce qu'il y en a qui font de la musique un peu ou... Je fais de la percussion. Vous écoutez quoi comme, comme type de musique ici? Du rap? Moi j'écoute des musiques rétro et aussi des musiques du monde. Il y a quelqu'un ici qui sait faire un peu de beatbox? Viens. Allez. Est-ce que vous voulez un petit cours de beatbox? Oui. Quel frère est le plus fort? Ok, donc là on a Précieux et là on a Curtis. Quel frère est le meilleur beatboxer des deux? CM2, CM1, donc toi tu vas représenter les CM2 et toi la CM1. Donc on va commencer par Précieux, tu vas devoir reproduire ça. Oh my god! Ça va péter! Ouais, bravo, on applaudit! Bravo, on applaudit. Lequel des deux vous avez préféré? Curtis. Ok. Égalité, un peu. Là, ça va être un peu plus dur. Bravo, bravo. Bravo, vous êtes tous les deux très très forts. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier round? Oui. Tu arrives pas? Je sais pas faire. Tu laisses gagner ton frère? Ah, on applaudit. La CM2 a gagné la partie. Est-ce que vous voulez des duels? Oui. Vas-y, viens. Tu veux faire de la danse classique? Non. Comment tu t'appelles? Amadou. Amadou, enchanté, Alexandre. Et une autre personne. Comment tu t'appelles? Janaël. Ok. Est-ce que vous voulez que je fasse le piano et vous dansez dessus? Oui. On va faire un pierre feuille ciseaux pour savoir qui va commencer. 3, 2, 1, c'est parti. Je vais jouer une musique classique. Vous allez devoir faire de la danse classique. Vous savez danser? Vous savez faire de la danse classique? Non. Oui. Okay. Moi, je vais essayer. Ok, bah... Je m'appelle Amadou et j'ai 9 ans. Et je suis en classe de CM1. Ok, c'est parti. Wow. On applaudit Amadou. On met une note sur 10 pour Amadou. 10, 10, 6, oh, 5, 7, 3. Ça fait environ 7. Bonjour, je m'appelle Janaël. Et je suis en CM2. Bonjour, ça va? 10, 7, 0, 0, 8, 9, 3. Moi j'ai dit 10.
10. Bah t'as gagné. Bravo, elle a gagné. Des applaudissements. Du coup, 2 points pour CM2. 2 à 0. Donc maintenant, pour le troisième jeu, on va faire deux équipes. Les CM2 et ici, les CM1. Coco. Donc là, il y a 2-0 et on va jouer au blind test. Donc on va voir quelle équipe est le meilleur. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Première musique de rap. Ok, bravo. Deuxième morceau, là on va faire une musique plutôt pop. Ah oui, on a... je vois. On bat les couilles, frère. Ok. Vas-y. Bien joué. Là, je vais faire du piano et du beatbox. Piano et beatbox. Le premier qui trouve, il a gagné. C'est bon pour vous? En gros, moi ce que je vais faire, c'est que moi je vais faire. Et toi tu vas faire. Comme la musique. T'es prêt? Oui. 3, 2, 1. On va faire une manche et la classe qui gagne cette manche, elle a tout gagné. Donc là je vais faire une musique peu connue. S'il y en a un de vous qui arrive à la dire, il a gagné une surprise et en plus il fait gagner sa classe. Ok. Ok. Voilà, un morceau de vitesse. Si, tu veux, si vous voulez, vous pouvez faire le... Si vous voulez.
j'espère que cette vidéo vous a plu. On a bien rigolé aujourd'hui. Et merci encore à toi, Justine. Merci à toi surtout. Merci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse le même concept dans cette école ou dans une autre école. Ici, bien évidemment. T'as pas le choix. Ici ? Ok, ok. Bon, les gars, à 1000 likes, on revient dans cette école et on refait des cours aux élèves. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, de venir sur TikTok et Twitch. Et à la prochaine.